Les vaches sont des animaux stupides. Elles traversent la moitié d'un continent pour aller se faire abattre. Le malheur, c'est que personne ne leur a jamais appris à voyager seul. Et il faut des hommes pour mener un troupeau. Des hommes et du temps. Et quelquefois de la souffrance. Et ça, c'est mon univers. Je suis un de ces hommes, Gilles Favor, chef de piste. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Qui êtes-vous? Vous les entendez? Hein? Ah! Mais les cow-boys hurlent toujours comme ça. C'est normal pour rassembler un troupeau, il faut... Regardez! Bonhomme est cinglé. Il n'a aucun papier sur lui. Ah, c'est une photo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de me tuer. Ah oui, pourquoi ça? Mais comment veux-tu que je le sache? Pete, de toute façon, il est temps que les bêtes se reposent. Essaie de savoir qui c'est quand il reviendra à lui. Enfin, s'il veut bien nous le dire. Jim, Joe, même aider pour les bêtes. Regardez, patron. Oh, qu'est-ce que vous lui avez fait? On a seulement cherché à se défendre, mademoiselle. Et on avait affaire à forte partie. Harry? Harry? Il revient à lui, tout va bien. Je suis désolé, j'ai dû le frapper un peu fort avec ma crosse, mais j'avoue qu'il ne nous a pas laissé le choix. Quoi qu'il ait fait, comptez sur moi pour réparer les dégâts. On a trouvé cette photo sur lui. Oh, c'est mon mari et c'est le fils de Monsieur Whitman. Je suis Rose Whitman. Madame Whitman, je m'appelle Favor. Très heureuse. J'habite un ranch à environ un mile à l'est d'ici. S'il vous plaît, aidez-moi à mettre Harry dans le buggy. Je crois qu'on va pouvoir rentrer au ranch sans problème. Pourquoi ne restez-vous pas ici pour vous reposer un moment? Je vais envoyer un de mes hommes prévenir votre mari de ce qui s'est passé. Mon mari est mort il y a 6 mois maintenant. Ah, je suis désolé. Alors laissez-moi aller à votre ranch et ramener un de vos hommes. Oh, Monsieur Whitman et moi vivons seuls depuis. Il est préférable que je vous raccompagne, alors. Ah, non, c'est inutile, je vous assure. Monsieur Whitman n'est pas toujours aussi violent qu'il vient de vous le montrer. Et quand il a toute sa tête, il est le plus gentil des hommes. Et il a l'air d'être d'une force colossale. Il a même été le plus fort autrefois, quand il était encore jeune sur le ring. C'était ça son boulot, boxeur? Il a été champion d'Angleterre et d'Irlande. Et quelquefois, quand il entend quelque chose qui lui rappelle les jours où il se battait, il ne se contrôle plus. Aujourd'hui, c'était peut-être les cris de vos cow-boys. Vous vous sentez bien? Harry? Harry, c'est Monsieur Favor et... Roddy Yates. Ah, ce sont des amis à moi, Harry. J'ai l'impression que mon beau-père n'est pas au mieux de sa forme. Ce serait plus raisonnable que j'accepte votre offre, après tout. Volontiers, Madame Whitman.
Rudy, dis aux hommes que je m'absente un moment. Et après, viens nous rejoindre. Entendu. Cette route n'est pas un mot. On n'en veuillez qu'à moi pour ce silence, Monsieur Favor, pas à Harry. Mais je n'en veux à personne. Fig était le premier champion. Puis il y a eu Pipes, puis Gretting, puis Broughton. C'est vrai? Ouais. Et j'ai brisé la mâchoire de Tom Ayer au 13e round, à Boston, en 1843. Et vous savez, c'était un très bon boxeur. Je lui avais promis une revanche. Ben, vous comprenez, je dois encore faire travailler mes articulations, un manque de souplesse. Je suis pas encore prêt. C'est Ayer qui vous envoie? Oui, oui. Ah oui, encore sa mâchoire. Il a besoin de plus de temps pour se remettre. Alors, il faut qu'il sache que je veux pas qu'il se sente diminué ou malade. Alors dites-lui que je ne suis pas prêt non plus. Tenez, Harry, c'est la photo de John. Elle était tombée de votre poche. Et si vous devez poursuivre votre entraînement, il faut dormir. Ah, c'était un bon garçon, j'étais fier de lui. Trop petit pour le combat à main nue, mais... Mais il avait bon cœur. Et il était brillant. Ouais. Pensez à votre entraînement. Ah oui, oui. Je suis désolé, messieurs, de vous abandonner si vite pour aller dormir, mais... Puisque vous êtes des professionnels de la boxe, vous m'excuserez. Oui, oui, nous comprenons. Harry dort souvent dans la grange. Il adore l'odeur du foin. Madame Whitman, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais vous devriez engager deux hommes solides. Ils vous protégeraient en cas de besoin. Ça n'est pas facile de trouver quelqu'un de confiance de nos jours. Mais sur notre carte, j'ai vu que nous étions tout à côté de Rock Point. Vous n'avez pas quelques amis là-bas qui pourraient vous aider? Je ne suis pas allée à Rock Point très souvent, je dois dire. Mon mari et moi sommes venus vivre ici un mois avant sa mort et on n'a pas eu la chance de se faire beaucoup d'amis. Vous vous inquiétez pas pour votre sécurité? Oh, il ne m'arrivera rien, rassurez-vous. Restez dîner avec moi. J'ai un beau poulet à rôtir. Bon, ça nous changerait des ragoûts de wishbone, mais hélas, nous avons beaucoup de travail. Ah, je suis désolée. Et merci beaucoup. Pardonnez-moi de vous avoir créé autant de problèmes. Mais non, voyons. On va attacher vos chevaux avant de vous quitter. Merci encore. Harry, vous pourriez le battre si vous n'aviez pas peur. Mais vous avez peur, Harry. Levez-vous vite, il faut vous battre. Lâche, deux bonbons à rien. Allez, battez-vous. Plus qu'il fait. Jetez lui de l'eau sur la tête. Vite, de l'eau. Oui, oui, c'est ça, de l'eau. Qu'est-ce que je fais là? Tout va bien maintenant. Mais je dormais dans la grange. Qu'est-ce que je fais ici? Vous avez dû marcher pendant votre sommeil et vous êtes tombé contre le tonneau. Oh. Harry, vous devriez vite rentrer à la maison. Et c'est chez vous où vous allez attraper la mort. Oui, oui, t'as raison. Pu vous battre à mort à n'importe quel moment. J'étais juste allé voir s'il était confortablement installé.
C'est la deuxième fois en une heure qu'il réagit comme ça. Son état est très instable. On ne peut le croire capable d'une telle violence tant qu'on ne l'a pas vu en pleine crise. Madame Whitman, que comptez-vous faire à ce sujet? Oh, je n'en sais rien. Mon mari disait que si son état empirait, il faudrait le faire enfermer dans un asile, mais je n'arrive pas à m'y résoudre. Il y avait un juge fédéral qui siégeait à la cour en ville la semaine dernière. J'avais décidé d'amener Harry devant ce juge et d'obtenir l'autorisation d'internement. Et puis j'ai fini par renoncer. Le juge est reparti? Non, il est encore là jusqu'à demain après-midi. Mais c'est une décision difficile à prendre. Peut-être, mais il faut absolument vous décider. Le plus vite sera le mieux. Mais tout le monde en ville adore Harry. Je n'aurai aucun témoignage. Vous avez deux témoins devant vous. Le troupeau pourra bien se passer de nous une journée. Oui, dites, vous n'avez pas parlé d'un excellent poulet rôti tout à l'heure? Oui, Roddy et moi, on dormira dans la grange et on ira en ville avec vous demain matin. Oui, je crois que c'est préférable pour lui. Au moins, il sera bien soigné. Vous savez, j'avais presque oublié cette sensation. Quelle sensation, Madame Whitman? Qu'un homme s'occupe de moi, comme avant. Cette ville m'a l'air bien tranquille. D'habitude, les semaines où la cour siège, les gens s'amusent. Vous avez raison, ils s'amusent vraiment pas. Il y a quelques mois, la ville a élu un nouveau marshal. C'est un homme implacable et tyrannique. Il a voulu nettoyer cette ville, la rendre propre. Et il m'a tout l'air d'avoir tenu parole. Regardez-moi ce qui arrive en ville. Eh oui, c'est la seule vraie femme de Rock Point. C'est ce que pensent tous ceux qui l'ont connue, à Vilaine, en tout cas. Et quelques beautés de ce genre dans certains quartiers de notre ville. Avant que ton frère ait fait le nettoyage par le vide. Ferme-la, ne parle pas de mon frère. Oh, d'accord, mais à cause du maréchal Thompson, on ne vit plus dans une ville, mais dans un cimetière. Je croyais que le maréchal lui avait interdit de revenir. Vous plaisantez, elle est bien trop effrontée pour obéir. Autant vous le dire, je travaille au Crystal Palace Saloon à Vilaine. J'avais prévenu mon mari que les gens jaseraient. Je suis désolée, Harry. On n'a pas besoin de ces deux rigolos pour nous aider. Ne fais pas ça. Tout se passera bien maintenant. Ça, je te le jure. Le juge a la réputation d'être un homme d'une grande droiture, Harry. On va le laisser décider. Et alors, tu nous en montrais davantage à Vilaine Rose? Ne me touchez pas, lâchez-moi! Oh, tu étais moins farouche à Vilaine. Ça suffit! Arrêtez, ça suffit, arrêtez tout de suite! Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Pour avoir provoqué une bagarre. Quoi? Oui, et le tarif, c'est 5 dollars. Alors, si c'est le prix. Donne ça au bureau et fais établir un reçu. Rose. Ces deux cow-boys travaillent pour toi? Nous conduisons un troupeau en direction de Sedalia, dans le Missouri. Monsieur. Nous n'avons pas entendu parler d'un troupeau. Peut-être que vous ne savez pas écouter. Oh, si, il écoute. Tout ce qu'on dit à mon sujet, il l'écoute, faites-moi confiance. Vaut mieux que tu laisses tomber, Lou. Elle ne se laissera pas intimider. Est-ce que l'un de vous a déjà rencontré ces hommes? Je ne les ai jamais vus, Lou. Peut-être que c'est un joueur de cartes ou un expert à la roulette, non? Il n'a que ça dans la tête. Il croit que je vais ouvrir un saloon. Dès qu'un homme est mon ami, il se figure que c'est un joueur ou un vaurien. Voilà l'opinion qu'il a de moi. Greg, dis-moi un peu, tu les as déjà rencontrés? À Silver City, je crois. J'ai vu un homme qui ressemblait à celui-là. Mais je ne suis pas bien sûr. C'est vrai qu'ils sentent le cow-boy. Ah ben, il suffit de traverser une étape pour sentir cette odeur. En attendant que vous trouviez votre réponse, il y a du boulot qui nous attend, alors on peut y aller. Non, attendez une minute. Donnez-moi vos armes. Il n'y a aucune raison. Vous désirez violer la loi? Il est interdit de porter une arme dans les limites de Rock Point. Donnez-moi ces armes.
Ça se passerait mieux si vous le demandiez gentiment. Fais ce que demande ce monsieur, Rudy. Silence! La cour du premier district des États-Unis va siéger. Le juge James Cuffin en est le président. Très bien. La cour va débattre du premier cas. Votre honneur. Oui. Nous apprécierions que vous mettiez le cas Whitman en tête de votre liste. Ah oui, quelle est la raison de cette requête? Monsieur Yates et moi sommes les témoins de Madame Whitman. Mais nous devons conduire un troupeau dans le nord. Et on a peu de temps. Bon, très bien. S'il n'y a aucune objection, passons à l'affaire Whitman. Eh bien, madame, exposez-nous votre problème. Votre honneur, c'est très difficile pour madame Whitman. Je parlerai pour elle, si vous le permettez. Peu importe qui parle, le tout est qu'elle le permette, elle. Alors, madame, vous avez la parole. Madame Whitman est ici à propos de son beau-père, Harry Whitman. Allez-y, voyons, continuez. Elle désire que la cour lui fasse obtenir les papiers nécessaires pour le faire interner dans un asile. Elle veut quoi? Voyons, Marshall, dois-je vous rappeler que cette cour symbolise la loi? Ne nous interrompez plus, vous parlerez à votre tour. Très bien, excusez-moi. Pourrais-je connaître vos raisons, madame? Depuis quelques mois, en particulier depuis la mort de mon mari, l'état de santé de mon beau-père n'a cessé d'empirer. Il est devenu dangereux. Je crois qu'il serait mieux pour lui de le mettre dans un lieu où on pourrait prendre soin de lui. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Rose? T'en as marre de t'occuper du vieux bonhomme? Je viens de voir l'homme qui a parlé. Je vous demande de vous taire, monsieur, ou je vous fais sortir. Dois-je encore vous rappeler que vous êtes devant une cour de justice? Je ferai respecter la dignité tant que je serai président de cette cour. Qu'entendez-vous par dangereux, madame? Ben, il a failli me tuer, monsieur le juge. Quel genre de coup monté essaie-t-il de nous faire avaler? J'ai vu des tas de gens peu recommandables durant ma vie, mais ces trois-là battent tous les records. Je connais cette femme, monsieur le juge. D'ailleurs, toute la ville la connaît. Il est certain qu'elle veut se débarrasser de ce vieil homme. Elle n'a rien d'une infirmière. Vous n'avez qu'à écouter les témoignages. Quels témoignages? Ceux de ces baroudeurs de plaine, ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour ces beaux yeux. Vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et silence. Vous, monsieur. Savez-vous pourquoi on vous a amené ici? Ben, on dirait que ma belle-fille s'est laissée impressionner par certaines personnes qui préféreraient me voir loin de la maison. Quel est votre nom, monsieur? M'appelle Harry Whitman. Quel âge avez-vous, Harry? 62 ans. Ah. Vous savez quel jour de la semaine vous êtes né? Oui, bien sûr, un mardi, en décembre, le 10 décembre. Écoutez, Harry, je vais vous poser une question très étrange. Connaissez-vous la différence entre la lumière du soleil et la lumière des éclairs? Ben, je sais pas ce qu'est en fait la différence, mais en tout cas, je sais bien les reconnaître. La lumière du soleil éclaire le ciel tout entier, mais la lumière des éclairs dessine des espèces de zébrures, comme ça. Harry, dans quelle ville est-on? À Rock Point, monsieur. Croyez-vous connaître la différence entre le bien et le mal? Oui, monsieur. Harry, supposez que vous soyez juge et que deux hommes se présentent devant vous et qu'ils viennent réclamer le même cochon. Quelle serait la première chose que vous feriez? Eh bien, d'abord, j'essaierai de savoir qui est le menteur. Très bien. Et supposez que ces hommes aient la réputation d'être honnêtes, enfin, qu'ils croient dire la vérité. Alors là, je tuerai le cochon. Pourquoi, Harry? Ben, parce que je les ferai s'asseoir côte à côte pour qu'ils deviennent bons amis devant un formidable rôti de porc. Silence! J'ai dit silence! Cet homme est aussi normal que quiconque dans cette salle. La plainte est rejetée. Juge, vous commettez une grave erreur. Il y a beaucoup d'anciens boxeurs comme ce garçon dans l'Est. Ils ont les mêmes réactions. Je ne les fais pas interner là-bas, alors ne comptez pas sur moi pour le faire ici. Je me fiche pas mal de l'Est, mais ce que je sais, c'est qu'il a essayé de tuer Madame Whitman. Écoutez, juge, ce serait pour leur bien à tous les deux. Je ne vois aucune raison de faire interner M. Harry Whitman dans une institution. L'affaire est...
Je vous en prie. Faites ça pour lui, c'est vrai, il n'a jamais voulu tuer personne. Mais personne ici ne sait comment il se comporte en état de crise, ce serait mieux pour lui. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Harry essayer de tuer? Non, jamais! Elle veut seulement se débarrasser de lui! Silence! Silence! Silence, je ne le fais pas! Calme! Je vous demande le silence. Silence. Belle. Laisse-la seule. Pourquoi? Fais ce que je te dis, Dave. Harry! Je te parlerai plus jamais. Va-t'en. On peut reprendre nos armes, Marshall? Vous nous quittez déjà, cow-boy? Pour un moment, Marshall. Un moment? Vous allez partir pour de bon. Expliquez-nous ce qui rend les habitants de cette ville si chaleureux. De longues et dures heures d'entraînement. Vous l'avez dit, d'entraînement et d'expérience. Ça nous a pris du temps pour nettoyer cette ville et on ne veut pas courir le risque de l'avoir salie par deux minables de votre espèce. Alors reprenez la route de Sedalia. Je vais vous dire, Marshall. Après avoir vu la façon dont vous traitez les hommes dans votre fichue ville, ne craignez pas qu'elle soit salie. Elle ne peut pas être plus dégueulasse qu'elle n'est. On voulait vous dire qu'on était désolé de voir comment ont tourné les événements. Si on peut faire quelque chose... Madame Whitman... Bien, mieux vaut la laisser seule, je crois. Ne vous inquiétez pas pour moi. Les larmes d'une femme ne signifient pas toujours ce que l'on croit. Des gens comme ça ne valent pas la peine de pleurer. Je connais bien ce genre d'individu. Vous devez leur montrer que vous êtes forte. Vous connaissez Abilene, Monsieur Favor? Un peu. Alors, vous connaissez le Crystal Palace? Oui, madame. Johnny est entré dans ce saloon une nuit pour jouer au pharo. Je me suis assise près de lui et il a dit que je lui portais chance. Il venait d'acheter son ranch, il était en route pour aller chercher son père. Il m'a demandé de l'épouser. Et ça ne m'a même pas fait peur. J'ai dit oui. Vous ne pouvez pas imaginer quel chahut ça a été quand il m'a amenée ici. Vous venez d'en avoir un petit aperçu. C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'amis, et c'est pour ça que les gens de Royke Point ignorent le comportement de Harry. J'ai vu son visage quand le juge a fait connaître sa décision. Je sais, je l'ai vu et j'avoue qu'il m'a fait peur. À ce moment-là, il avait toute sa tête. Mais vous n'allez pas retourner chez vous et l'attendre? Vous savez, je ne peux pas fuir. Je ne veux pas fuir. La seule chose que mon mari m'ait demandé, c'est de prendre soin de son père après sa mort. Et j'ai promis. J'ai promis de m'occuper de lui, Monsieur Favor. Jusqu'à sa mort. Ou jusqu'à la vôtre. Je peux vous dire exactement ce qui va se passer. Harry va traîner sa tristesse dans la colline quelques jours et ensuite il reviendra. Et tout recommencera comme avant. Je souhaite que vous ayez raison, Madame Whitman. Vous avez été vraiment très gentils tous les deux, je vous remercie. Mais si vous restez encore avec moi, je crains que ça n'aggrave les choses. Alors, au revoir. Au revoir. Vous croyez qu'elle a dit vrai, que le vieil homme reviendra et agira normalement? Non, et le pire, Rodi, c'est qu'elle ne le croit pas non plus. Mais elle nous demande de partir. Elle doit avoir une bonne raison. Bon, il nous faut des roues. Nos chariots sont en mauvais état. Hé, hey, vous! Vous êtes ce que vous prétendez? Des convoyeurs? C'est vrai, oui. Le Marshal dit que vous allez monter un saloon avec Rose. Le Marshal est un menteur. Le Marshal est mon frère. Ah oui, alors, vous avez un menteur dans la famille. Non, pas mon frère Lou. Il est trop honnête pour mentir.
Bonjour, on voudrait voir des roues. C'est à l'intérieur. C'était une ville sympathique avant. Ah bon, les choses ont changé alors. C'était avant l'arrivée du Marshall Thompson, c'est Monsieur Rigueur en personne. Il n'y a personne pour se mettre en travers de sa route. Il y a un cimetière plein de ceux qui ont essayé de le faire. C'est une bonne roue, j'en ai une douzaine. Il nous en faut 3, si vous pouviez nous prêter un chariot pour les transporter. 7 $ pièce. Ça nous ira. Ça fait 21 $. Vous voulez dire que personne dans cette ville n'aidera cette femme si elle est en danger? Vous étiez à ses côtés, le problème c'est que le Marshall pense obligatoirement que vous êtes contre lui. Ce qui veut dire que le Marshall verrait d'un mauvais œil que vous nous aidiez pour les roues. Le chariot est là dehors. Merci. Combien de temps comptez-vous ruminer cette histoire dans votre tête? On dirait un chat devant un rat. Bon, on va amener ces roues jusqu'au camp et ensuite on retournera en ville. Ouais. Ouais. Vous avez un problème, Madame Woodpan? Non, aucun. Vos voix, on ne dirait pas. Votre voix est toute drôle aussi. Je m'inquiète pour Harry. Il est parti dans les collines, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Ah, c'est ça. Ah. Vous auriez besoin d'un homme ici. Je veux dire, quelqu'un d'autre qu'Harry. Oui, c'est vrai. Vous savez... J'avais du mal à dormir. Je devais venir m'excuser pour la façon dont mon frère et ses minables se sont comportés à la cour ce matin. Ah, vous connaissez bien Lou. Sa façon de juger les êtres humains. Je crois que la plupart des gens en ont marre de tout ça. Mais... Je ne suis pas venu seulement pour m'excuser pour mon frère. Je suis venu vous aider. M'aider? Oui. Vous n'avez pas assez d'argent pour prendre soin de vous et de votre beau-père, c'est ce que je crois. Je veux vous aider à obtenir ce qui vous revient. Et comment? Vous voulez retourner dans l'Est? Lâchez-moi, lâchez-moi! Vous voulez retourner dans l'Est et vous habiller comme une dame? Dépenser l'argent comme vous le méritez? J'ai raison, hein? Il y a quelque chose de mal à ça. Non. Non. Mais réfléchissez un peu. Vous ne pouvez pas. Pas avec un boulet au pied. Et ce vieil homme est un boulet, non? Et vous ne pouvez pas le laisser tomber. Qu'est-ce que vous voulez dire? Combien valent cette maison, cette grange, ce bétail, toutes ces terres, 5 000 $? 6. 7, peut-être. Oui, au moins ça. Vous pourriez faire tout ce que vous voulez avec la moitié. 4 000 $. Ça permet de bien vivre pendant un bon moment. Vous voulez une tasse de café? Très volontiers. Que ferez-vous pour gagner l'autre moitié? Vous avez besoin de moi. Contre cette ville, contre Harry. Tout ça est à son nom. Continuez. Je sais ce que vous manigancez avec les cow-boys. C'est une excellente idée. Dommage, leurs témoignages n'ont pas convaincu le juge. Harry paraissait désespéré en sortant, un vieil homme sans défense. Ce n'est pas le cas. Enfin, pas tout le temps. Je ne l'ai jamais vu autrement. Il peut agir comme un fou furieux.
Ah oui? Oui. D'accord, alors écoutez. Imaginez que vous me disiez comment le pousser à bout. Supposez que je puisse l'amener à se battre violemment en pleine ville. Devant toute une foule de témoins. Devant mon frère. Et que tout ce petit monde dise au juge qu'ils ont vu Harry agir comme ça. Le juge devra accéder à votre requête. La vie est si douce avec 4000 dollars. Très bien. Entendu, Dave. Vous avez raison, Rose. Bravo. On conclut le marché. Oui. Il est parti là-bas dans les collines, près de la route du Nord. Il s'y cache toujours pour bouder comme un enfant. Il se terre comme un animal. Vous devez tout me dire, Rose. Qu'est-ce que je fais? Comment j'arriverai à le rendre fou? Il faut lui parler de ses années sur le ring. Il y est resté trop longtemps. Poussez-le à se rappeler son dernier combat, celui où on l'a sorti du ring, et où il a mis 2 jours avant de reprendre connaissance. Attendez une minute, Rose. Je ne voudrais pas abuser de la situation, mais il faut que notre accord soit écrit noir sur blanc. Prenez une plume et du papier. Asseyez-vous. Ce que vous devez faire, c'est écrire que le jour où vous vendrez votre propriété, quand elle sera à vous, la moitié me reviendra. Vous voyez que je suis comme vous, Rose. Je veux partir de cette saleté de ville, moi aussi. Et avec 4000 dollars, je pourrai m'absenter assez longtemps. Ou nous pourrions nous absenter assez longtemps. Vous voulez pas m'en parler, Harry? Pourquoi vous enterrez là? J'avais pas d'autre endroit où aller. Ouais. Ils vous emmenaient la vie dure en ville. Oh oui. Ils ont rien compris du tout. Oh, personne n'a rien compris. Je voulais me battre encore une fois, même si ça devait me tuer. Mais les docteurs ont refusé. Oui, je comprends. Mais ne vous inquiétez plus pour ça. Ayers m'a eu. Il a réussi à me sonner au 13e round à Liverpool. Vous savez, je lui ai brisé la mâchoire à Boston. Et j'aurais dû le battre encore à Liverpool. Mais il m'a frappé si fort que j'ai dû aller à l'hôpital. Et il y a des gens qui ont dit que je m'étais couché exprès. Non. Mais si. Il y en a même qui ont dit que j'étais un lâche. Oh, c'est moche de vous dire une chose pareille. J'aurais voulu le combattre encore une fois. Vous avez raison, Harry. Et je vais organiser ce combat. Vous leur montrerez à tous. Hein, Harry? Dave. Ah, vous êtes mon seul ami, Dave. Non, Harry, faut pas entrer là-dedans. Mais si, on va leur montrer. Vous avez dit qu'on devait leur montrer. Je sais, mais il faut organiser ça très bien. Il faut faire ça le mieux possible et que tous voient que vous êtes un vrai champion. Allez, venez maintenant. Alors, regardez-moi ça. Ils ont cadenassé le ring et les vestiaires. Vous êtes formidable. Allez, maintenant, installez-vous ici et couchez-vous, Harry. Vous devez vous reposer pendant que j'organise tout. Vous êtes gentil avec moi, Dave. Il y a si longtemps que personne ne m'avait compris. Mon fils, lui, il me comprenait bien. Il m'avait laissé personne me traiter de lâche quand il était en vie. Vous verrez, tout se passera bien, Harry, très bien. Reposez-vous. Je vais fermer la porte. Personne ne vous dérangera.
que vous faites? Mais c'est pas un vestiaire. C'est la prison de votre frère. Vous avez tout à fait raison, Harry. C'est une prison. Mais pourquoi vous fermez la porte? C'est tout ce que vous méritez. La prison. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça, Dave? C'est ce qu'on fait à des gens comme vous, Harry. Aux lâches. On les enferme. Oh, Dave, faites pas l'imbécile. Vous savez que je suis normal. Il m'arrive d'être fatigué, mais Dave, on m'a frappé si souvent que parfois j'ai encore l'impression d'être au beau milieu d'un ring. Et je vois les lumières, elles s'éteignent tout à coup. Et c'est vrai, il m'arrive d'être un peu dérangé, mais je sais plus où je suis. Mais je suis normal, Dave. Laissez-moi sortir. Vous ne sortirez plus, mon cher Harry. Mais vous prouvez-moi que vous allez vous battre. Dave, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir d'ici. Laissez-moi sortir. Harry, regardez un peu par ici. Regardez ça, regardez. Votre photo est sur tous les murs, dans tous les journaux aussi. Harry Whitman, le roi des mecs qui se... Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Bats-toi, où est ton père? J'ai été champion d'Angleterre et d'Irlande. Tout le monde me connaît. Je suis Harry Whitman. Qui a été le premier champion? Ensuite, il y a eu Pike, puis Grittin, et Broughton. J'ai brisé la mâchoire de Thomayer au 13ème round. Quel combat ça a été! Je lui ai brisé la mâchoire. Ouais. Laissez-moi sortir. Ça vient. Hey, Harry. Hey, il est temps de vous battre. Allez, venez, Harry. Venez, on va se battre. Venez, Harry, venez avec moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, venez, champion. Ailleurs vous attend pour la revanche. Je voudrais rentrer chez moi. Impossible, Harry. Votre fils est mort, vous en souvenez? Il ne peut plus vous aider. Laissez-moi tout seul. Rendez-moi cette photo. Allez, venez, levez-vous, battez-vous, espèce de perdant minable. Rendez-moi cette photo. Quel genre de champion êtes-vous? Vous avez peur de combattre ailleurs? C'est ça, hein? Si vous n'avez pas peur, montrez comment vous vous battez. Ou alors couchez-vous. Rendez-moi cette photo. Est cassé. C'est Dave Thompson. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, Marshall. Il est mort. Dave. Dave! Éloignez-vous, s'il vous plaît, Lou. Vous deux, emmenez-le à l'intérieur. Pourquoi êtes-vous revenu? Dites-moi pourquoi. Vous ne pouviez pas nous laisser tranquilles. Il fallait bien être deux pour faire vous ça. Vous vous trompez, Marshall. Il était déjà mort quand on est arrivé. Il pourra vous le dire. Bah, répondez-lui, il est complètement sous ou quoi? Écoutez, Marshall, on va partir comme on est venu. Et si quelqu'un s'interpose, il risque d'être blessé. Non! Ah, mais... Vous avez envie de vous faire tuer? J'avais des projets pour mon frère. Je voulais que cette ville soit propre pour qu'il puisse y vivre. Sans y connaître la tentation, il y a un arbre au bout de la rue. Suivez-moi! Attendez, Lou, vous ne pouvez pas faire ça. Ces hommes n'ont pas pu tuer Dave. Mais qui l'a tué, alors? Je leur ai prêté mon chariot cet après-midi. Je les ai vus sortir de la ville. Ils sont revenus, pourtant. Ça ne prouve rien. Lou, vous avez rendu le calme à cette ville. Vous ne pouvez pas faire ça. Mieux vaut rentrer chez vous. Vous êtes sur mon chemin. Et c'est une chance que je sois sur votre chemin. Lou, il y a bien longtemps, une personne n'a essayé de vous faire entendre raison. N'insistez pas, Mel. C'est Dave qu'ils ont tué. Qui l'a dit? Tanner? Il a juste dit qu'ils étaient ici. Tanner les a vus. Il n'a jamais dit ça. Alors allez-y, restez pas plantés. Dites-lui la vérité. Ils n'ont pas pu le tuer. J'ai trébuché sur Dave en rentrant chez moi. Il était déjà mort. J'ai couru vers le saloon et je les ai vus arriver. Ils n'y sont pour rien. Si c'est pas eux, alors c'est qui? J'ai vu Harry Whitman s'enfuir quand je suis arrivé. Harry Whitman. Oui, c'est ça. Harry Whitman. Il y a personne qui peut me dire où est Whitman? Il y a sûrement un endroit où il a pu aller.
Celui qui me suivra cette nuit sera mon suppléant, c'est bien compris? Thompson, vous avez failli commettre une erreur, n'en faites pas une autre. Et vous, ne vous laissez pas entraîner là-dedans! Merci à vous deux de ce que vous avez fait. Si le vieil homme retourne à la ferme, il y trouvera Rose. Il faut y être avant lui. On est venu pour ton beau-père. Vous êtes vraiment décidé à lyncher n'importe qui, n'est-ce pas, Thompson? Vraiment n'importe qui. Moi, Harry, Whitman, quelle importance? Harry a tué Dave. Un homme qui n'avait plus toute sa tête a tué Dave. Il n'était pas responsable de ses actes, il était hors de lui, comme vous l'êtes. Il suffirait de rien pour que vous l'abattiez. Et il a fallu peu de choses pour que Harry perde la tête. Au tribunal, vous êtes resté sourd à ce que disait Rose Whitman, et vous avez votre part de responsabilité dans la mort de Dave. Vous avez laissé Whitman en liberté et vous voudriez rentrer chez vous et oublier cette histoire? Vous êtes les seuls responsables de la mort de Dave Thompson. Très bien, vous avez écouté les ragots de ce cow-boy, alors maintenant vous allez m'écouter. Vous savez qui a tué Dave? Une sale ordure. Vous avez laissé un malade mental, une danseuse de saloon et deux cow-boys s'immiscer dans notre vie tranquille. Quand je suis arrivé, cette ville était corrompue et j'en ai fait une ville sans histoire. Et je veux qu'elle reste comme ça. Suivez-moi! Allons, venez! Vous allez laisser ces deux vachers à la tête de votre ville? Nous sommes ici pour faire justice. On ne vous aidera pas. Il est temps que quelqu'un s'oppose à vous. Vous ne faites pas ça pour notre bien. On en a marre d'obéir. Cette fois, c'est terminé. On n'oublie pas ce que vous avez fait pour nous. Grâce à vous, Rock Point est une ville calme. Vous avez éliminé la vermine, c'est devenu une belle petite ville, mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez voulu nous diriger d'une main de fer à tel point que vous nous avez terrorisés. On a vécu nos vies comme vous le vouliez, on a fait tout ce que vous vouliez qu'on fasse. Pourquoi on vous a suivi ce soir, à votre avis? Pour vous aider à venger la mort de votre frère? Non. On est ici parce qu'aucun d'entre nous n'a eu le cran de s'opposer à vous. On a eu bien trop peur de vous tenir tête quand vous nous avez demandé de lyncher Harry. Merci, monsieur, d'avoir réagi à notre place. Venez, Lou. Il faut rentrer. Marshall Thompson, vous allez arrêter Harry cette fois, après ce qu'il a fait à votre frère. Non. Mais elle avait raison. J'ai failli lyncher un homme. Je ne suis plus digne de porter cette étoile. Plus jamais. On va emmener Harry avec nous, madame Whitman. On conduira chez le docteur. Le docteur, mais qu'est-ce qu'il fera? Il lui fera avaler un cachet, l'examinera, il renverra à la maison, chez moi. Je ne veux pas qu'il revienne ici, j'ai peur qu'il veuille me tuer. Et t'as aucune raison de parler comme ça, Rose. Je suis pas fou. M'arrive d'avoir l'esprit un peu dérangé, d'avoir des migraines. Et quand les gens me crient des injures, je crois entendre des hurlements de la foule. Et j'ai l'impression de recevoir des coups de poing sur la tête et sur la nuque. Mais je suis obligé de me battre, Rose. Je suis pas fou. Et ça, tu le sais, je suis normal.
Il est possible, Madame Whitman, qu'il n'ait plus de crise si le docteur arrive à le traiter, ou au moins à le calmer. Aucun de nous ne veut voir Harry partir d'ici. Vous pensez qu'il ne s'agit que de crise? Vous allez voir. Harry, vous savez ce qu'ils racontent. Ils disent que vous êtes un lâche. Ils disent que vous vous êtes couché parce que vous étiez terrorisé par ailleurs. Ils se moquent de vous, Harry, parce qu'ils pensent que vous êtes un lâche. Rose, c'est ce que tu as toujours voulu, me faire partir. Et vous m'avez poussé à bout, toi et Dave. Tu as envoyé Dave pour me tromper. Bon, si c'est vraiment ce que tu veux de moi, je m'en irai. Et de mon plein gré, Rose. Alors, tu veux pas me dire au revoir? Elle est morte. Messieurs, faites-moi enfermer, c'est ce qu'elle voulait. Moi, je vous veux pas de mal. D'ailleurs, j'aurais fait de mal à personne. Allez, venez, Harry. C'est moi qui lui ai fait le plus de mal. Je voudrais rester seul avec elle. Rudy. Move 'em on, hit 'em up, pull 'em on, move 'em on, hit 'em up, raw high.